tell me how to fight it. I hid the answer in a microbe this one carries. It turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another. However, it doesn't affect only the parasite. It alters the host as well. Your infection will be contained, but you and your men will also be rendered infertile. That is the price you must pay to regain your speech. That freak show back there. May the work of your children too? A different strain from the vocal cord parasite, known as the one that covers. It acts as the host's skin, providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him, then steal my research. Have you seen one of their vehicles? The yellow cake. Captured a convoy they were escorting. Cargo, some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea. Clouds ahead! Il y avait une route au sud de la maison et un autre point délicat un peu plus proche, mais les skulls sont un peu mieux. D'accord. Ouais, non, je suis parti par là où je suis arrivé en fait. Boss, are you okay? Mission list. So the vocal cord parasites that have infected Mother Base. They're ethnic cleansers designed to silence those who don't fit into Skullface's worldview. We can't allow him to have such power. Go over the mission details and get going ASAP. Ok, ok. Ah oui, ça se vide quand même les trucs. Ok, bon, ben on va y aller. Hein. Pas le temps, faut y aller. La fameuse mission 29. Boss, you okay? There's an unusual mist in front of your chopper. It could be the same one as before. Cypher is trying to eliminate Code Talker, but we can't save the infected without him. Boss, whatever you do, bring Code Talker back alive. Mon Dieu, je sens que ça va être compliqué cette affaire. Ouais, c'est ce que je suis en train de calculer. S'il faut que je les élimine. S'il faut que je les élimine. Mais malheureusement, j'aurai pas de. Je peux toujours prendre le lance-roquette. Je sais pas si ça va faire grand-chose, mais.
vois pas ce que je peux prendre de plus à part après développer des trucs, mais un bon moyen de prendre le D-Walker. Mais non, je préfère Quiet. Eh ben on va voir ce que ça donne. Hein. Oh, ça va, à mon avis, ça va se jouer à la frappe d'artillerie, cette histoire. Heureusement que l'hélico a pas explosé, hein. Ah oui, d'accord, on est sur on est à l'aéroport. OK. Oh là là, en plus il y a des gros. Qu'est-ce que c'est ce truc? Putain, mais c'est Resident Evil en fait ce jeu. Oh là 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 là. Ah oui, je l'ai oublié la tenue combat, c'est vrai. Ah bah heureusement il y a ma petite caillette. Walking Dead. Ça y est, les zombies attaquent. Scott,
Tiens, mais relève-toi, Snake, voyons. Oh, quand Snake est à terre, putain, mais sérieusement. Bah écoute, ton cœur est mort, qu'est-ce que je te dise, moi. Oh bordel. Bon. Je sens que ça va être long. Je sens que ça va être très très long. Ouais, en fait, il faut laisser le vieux. Bah, Quiet. Ah, tiens, une plante. Je vais prendre des plantes, moi. Au moins, Kayette fait le binage. C'est un petit mojito? Un petit mojito? Oh bah oui, pourquoi pas? Ah tiens! Des réserves de carbu. Bon, par contre, ils sont passés où les cons? Ça tire quelque part, hein. Quoi?
Je crois que celui-ci, tu l'as pas aimé, hein. Oh, les cons. Putain de bordel, je voulais juste briller, bordel. C'est bon, t'as rechargé, Snake? Quoi? Et vous allez pas me péter les couilles, hein. Non mais sérieusement. C'est quand tu veux que tu reprends ta vie, hein, Snake. Quoi? Putain, mais j'y comprends que dalle. Qu'est-ce qui m'attaque? Oh mon Dieu. Bon bah on reprend les mêmes et on recommence, hein. On va attendre patiemment que Quiet fasse le ménage, pardon. Bien joué, Snake. Tu t'es auto-snipé, mon con.
D'accord, lui il est juste en bas en fait. Ils sont où les Walker Gear qu'on avait dans une mission là ici? C'est là où je les voudrais bien en fait. Putain mais bordel mais non. Les mecs ils se reforment une armure ni vu ni connu, je t'embrouille. Ok, deux de moins. Sérieusement, crève pas la Snake, hein. Non, c'était pas mon intention de marquer là, mais bon. Allez, sors, petit con, sors. Presque mort, et presque mort. Il est où ton pote? Voilà, en truquant le jeu, on y arrive.
Voilà, ça c'est cadeau. Ah! On le vit mieux. Honnêtement, on le vit bien quand c'est terminé. Alors attendez, je vais récupérer quand même les quelques trucs que je peux récupérer. À savoir quelques petites plantes. Ah, j'aurais pu appeler l'artillerie aussi, c'est vrai. Ah bon, on va extraire tout le monde. Ah, il y a du mort quand même. Ouais, effectivement, j'avoue, se mettre sur les toits, c'est quand même pas trop mal. Ben, je veux bien, oui. Ah bah oui, d'accord. C'est automatique. Immortel. Eh ben dites donc, moult médailles. Mission complete, boss. J'ai quand même un rang B. Comme quoi. Skullface is no longer in Africa. The nuclear test was a success. Now they turned the knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite. To prevent detonation. You mean... Skullface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like hawking small arms to militias. Indeed. He plans to avoid detection by exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic archaea. Once on site, the metallic archaea enrich the uranium. It loaded onto all terrain bipedal machines. They ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skullface owns the market. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere.
deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. If fail-safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it. Nooks. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. Machette des crânes, machette des skulls. The R&D and medical teams have come up with a proposal for a new suit that applies Code Talker's research, the Parasite suit. Apparently, it can recreate some of the skull's unusual abilities. But in order to use those abilities, it needs parasites. If you want to wear this suit, you're going to need to get a hold of parasites by extracting skulls. Oh mon dieu! Extraire des skulls. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Stop the epidemic at Mother Base. About the pathogen spreading through Mother Base, what's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain. Meaning, breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia. Introduced to a sample of the parasite. Parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. You must cultivate more. C'est gagné, you did it. Ah, voilà, on a sauvé notre base. C'est parfait, ça. Thanks to Code Talker, we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. We couldn't save those already symptomatic, but everyone who survived has been released from the quarantine platform. Skullface will pay for this. C'est ça, Antique. Ils ont plus de l'Ebola, du sida, de la peste. Ça y est, c'est fini. On a gagné.
Again with a truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. Metallic archaea. Sahelanthropus, where is it? What? We have to know before his plan is complete. Sahelanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life. As countries without nuclear arsenals line up for what Skullface is selling. Nuclear weapons proliferate overnight. And on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skullface is the world's greatest threat, and Zero's. The pieces are in place. All that remains is to unveil Sahelanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. KP-Zero, Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. Ça va bien, Antic, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi. Everyone at the Soviet base camp's dead. No sign of fighting. Parasites. Skullface's men then headed north. The target is OKB-Zero. That's where he'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. Wipe him out. Don't leave any trace of his existence. I'm gonna need backup on this one. You'll rendezvous on site. On va aller casser la gueule à du Metal Gear. Oh ouais, mon commandant. Ce chier.
Ça va chier. Qu'est-ce qu'il peut obtenir? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça comme mission secondaire, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Non, sans avoir fait quelque... Alors, déjà lancé un paquet de déploiement de combat. Oui, ma chère Cayette, oui, tout à fait. Parce que voilà. Moult choses à faire. Voilà, ça va les occuper un petit moment. Là, par contre, voilà, je ne peux plus rien faire. Qui s'est passé en ton absence? Oula, moult missions dans MGS. Du Mario Maker cet après-midi. Équipement coéquipé. Qu'est-ce que je peux développer? Oh mon dieu! Car 490 boules, mais il est violent comme comme fusil de sniper. Et sinon, rien de bien extraordinaire en dehors de ça. Ok, dans les armes et objets, je peux probablement développer de nouvelles choses, notamment... Ah bah oui, forcément. Voilà, la tenue parasite. À part que mon unité médicale est un petit peu dans la merde. Mais oui, Cayette, mais oui. Mais oui, je sais, c'est triste. Les nouveaux trucs ici. Parasite brume. Cartouche de réserve de parasite. Équipez-la sur la tenue parasite pour activer la compétence spéciale des crânes dispersion de la brume. Invisibilité. Et armure améliorée. Ah oui, c'est... Ah non, non, Cayette n'a pas fait de choses dans le genre, même si le lien, notre niveau de lien avec cette chère Cayette est à son paroxysme, si j'ai envie de dire. Je ne vois pas bien ce qu'on pourrait développer d'autre. Et tout ça, pourquoi pas? Parleur. Pour tout le reste, on dirait que ça va. Est-ce que je peux développer des choses sur la Mother Base? Ah mais oui! Voilà, c'est ce qu'on va faire, et ensuite, alors dans les listes secondaires, voilà, le défi d'Eli,
c'est ce qu'on va faire. C'est même ce qu'on va faire de suite, voilà, allez hop. On va donc aller retourner botter le cul de Ellie qui on va voir, on sait toujours pas vraiment qui c'est. Hein. On se doute que c'est fait pour faire penser que c'est probablement Liquid ou un des clones en tout cas. Et où est-ce qu'il faut que j'aille ? Viens, connard de mioche. Je t'ai vu. Allez. Hey. Le petit coup dans la tronche et puis c'est bon. Bombe incendiaire. Please specify a project. Ah? Waouh! Oh merde, l'unité de soutien, il manque un petit. Oh, c'est tellement cul. Conk? Ah, la conk, c'est. D'accord, c'est. Ce que j'ai dû gagner. L'objet qu'il avait à la ceinture Ellie. Oh là, mais l'unité de soutien et j'aurais le fulton pour enfant, quoi.
Sinon, qu'est-ce que je peux développer ici de nouveau? Bombe incendiaire. Cocktail Molotov, arme incendiaire improvisée constituée d'une bouteille remplie de... Ok. Donc ça coûte 100 000 boules de développer une bouteille d'alcool avec un torchon à l'intérieur. Il se foutrait pas de ma gueule par hasard. Hein? Bon. Alors attendez. Gestion du personnel. Il me faut une équipe de soutien. Toi, t'essaies là. Qu'est-ce que tu fous? Non, c'est soutien. Soutien, toi, t'essaies. Select unit. Staff assigned. Development project has been added. Please specify a project. Paf! Et voilà! C'est comme ça que ça fonctionne. Logique MGS, exactement. C'est exactement ça. Tout va bien, quoi. Le pistolet à eau, il faut une équipe R&D au niveau 52 pour développer un pistolet à eau, quoi. Quand même. Moi, je dis respect. C'est le seul fusil mitrailleur étourdissant, je crois. 28 000, alors on va le faire, l'UN Arc, voilà. Non, pas du tout, merci, mais en fait non. Et c'est ça que je veux que tu développes. Monture point rouge. Allez, vas-y. Dans 18 minutes. Ok. Comme ça, on aura un fusil mitrailleur. Un fusil d'assaut, pardon, qui pourra étourdir et non plus être létal. Hello, cute little rainbow droplet. And welcome, how are you? Oui, un pistolet à eau. Exactement, un pistolet à eau. Ça déconne zéro dans le monde de MGS. Hein. On dirait pas comme ça, mais... Hein. Ça déconne zéro. Tiens, le spécialiste anesthésie. Il faut que je regarde un truc. Sauveteur, non. Tireur, armurier, fusil à pompe. Extrait les deux prisonniers détenus au village de Wialo. Spécialiste bionique. Est-ce que j'ai ça, moi? «
un diplomate dur à cuire, sauvetage, temps du bouclier BP, spécialiste radar, mais je crois que j'en ai déjà un. Ça. Chance sauveteur, spécialiste électrophilage, chirurgien, spécialiste anesthésie. Spécialiste mécatronique. Ah oui, alors attendez, si je comprends bien, ce qui est blanc, c'est ce que j'ai pas déjà en fait. Genre là, j'ai pas le plan. Là, j'ai pas rechargement rapide. J'ai pas un botaniste. Ok. C'est ça, antique. C'est exactement ça. Donc effectivement, l'anesthésiste est ici. Et ensuite, le spécialiste électrophilage et cybernétique. Ah oui, d'accord, c'est celui où il faut éliminer moult blindés, d'accord. Vous avez extrait 3 chars, vous avez sécurisé l'arme que le camion transportait. Vous avez extrait 6 prisonniers à web. Oh là 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 là. Là, il y a un botaniste, encore un. Ouais, faut la faire plusieurs fois, j'imagine. Sinon, spécialiste gaz somnifère. Skullface. On dirait presque la fin, quoi. Vengez-vous de Skullface. Ok. Oula, il y a moult cassettes. Hein. Moult cassettes. Hein. Ça va, on va passer du temps à écouter tout ça. Il y a encore 3 trucs en objet développement. Et ah oui, mais d'accord, oui, forcément, c'est ça, ça et ça. Ok. Combien ça coûte ça? 38 000! Et ensuite un fusil à pompe étourdissant. Oh, je verrai. Des lance-patates. Est-ce que je développe des lance-patates? C'est. Et donc, oui, ici on aura besoin du spécialiste anesthésiste, mais de toute façon on n'a pas les niveaux d'équipe, requis pour pouvoir développer ce fusil de sniper. Ah ouais. Ah, ça a l'air de déconner zéro, ça. Ça, c'est utilisable par les membres de l'équipe de sécurité, donc ma foi, ça serait peut-être une bonne idée de le développer. À terme, les canons, le Killer Bee. Un petit peu cher quand même. Caution, heavy mist anticipated. Et on peut en transporter là 2 de plus. Allez zou, on va appeler l'hélico. Roger.
vous devez extraire 6 petits chats, c'est à peu près ça aussi. Est-ce que je tente la mission maintenant? Please select a mission. Sinon, dans les OP secondaires, on n'avait pas des trucs à faire par hasard. Ça c'est fait. Please select a mission.